Bonjour à tous. Vous êtes plus de 1500 à vous être connectés aujourd'hui pour découvrir les résultats du deuxième baromètre du mécénat de compétences et écouter les messages des 22 dirigeants de notre alliance. Merci pour cette marque d'intérêt qui nous encourage. Donc, Muriel et Martine vont animer cette matinée et je m'en réjouis. Alors, le mécénat de compétences, c'est un engagement citoyen d'un nouveau type. C'est un élan individuel et collectif. Contre toute attente, la crise et le confinement ont vivifié le mécénat de compétences. La société est confrontée à une fracture sociale inédite. Et le mécénat de compétences est un vecteur innovant d'engagement sociétal. Disons-le, le mécénat nous unit, même à distance. Les associations sont en première ligne pour soigner les maux de la crise et de la société. Le mécénat de compétences est une ressource indispensable. Soyons clairs, le soutien humain est aussi précieux que notre soutien financier. Les salariés, bousculés dans leur quotidien, ont pris conscience de l'importance du lien social. Cet engagement qu'ils peuvent avoir peut les aider à renouer ce lien. Le mécénat de compétences régénère la fierté d'appartenance. Quant aux entreprises, on les questionne sur leur utilité sociale. Elles ont répondu présent. Et cette démarche nourrit leur raison d'être auprès de leurs parties prenantes. Je le pense vraiment, ce mécénat d'un nouveau type est une lame de fond. Il peut nous transformer. Comme le dit Jérôme Fourquet, une mission de mécénat génère du consensus dans notre société archipélisée. Alors vous pouvez faire confiance à l'Alliance pour tisser ce consensus à grande échelle. Une alliance inédite d'entreprises de toute taille et de tout secteur qui se veut l'architecte de l'univers du mécénat de compétences. Et nous le ferons, nous relèverons ce défi avec nos partenaires, Admical, Entreprises et Progrès et les ANDRH. Nous voulons promouvoir ce mécénat de compétences auprès des salariés, des associations, des managers et de nos concitoyens. Merci donc aux présidents de la première heure et à leurs équipes, si déterminées à donner corps à notre ambition. Alors aujourd'hui, et ce deuxième baromètre va l'illustrer très rapidement, nous pouvons partager une conviction ensemble. L'engagement citoyen est ancré durablement dans la sphère du travail. Merci donc à vous, c'est grâce à vous, les 22 dirigeants de l'Alliance du mécénat de compétences, vous qui êtes unis et êtes présents aujourd'hui pour incarner et porter ce mécénat intelligent, vous qui avez signé ce manifeste et vous vous êtes engagé personnellement en signant ce manifeste à essaimer en interne et à l'extérieur de votre entreprise. Et vous qui, enfin, m'aidez à réaliser ce vieux rêve, que les 26 millions de salariés que compte notre pays puissent vivre cette expérience stimulante pour chacun et pour tous. Alors, avant de réaliser ce rêve, je vous propose de nous fixer un cap, de multiplier par deux le nombre de salariés engagés ou de missions réalisées au service des associations dans ce pays. Merci. Merci, Marianne.